Je recommence. Hein. Le paludisme est une maladie transmise par le moustique femelle qui est seul hématophage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? D'accord. Donc, c'est une maladie qui sévit à l'état endémique dans les zones tropicales et intertropicales. C'est une des plus grandes endémies mondiales. Il y a plus de 2 milliards de sujets exposés et plus de 2 millions de victimes par an. Alors, ces victimes, elles se comptent. Il y a 753 000 enfants qui meurent en Afrique du paludisme. La transmission se fait par piqûre de moustique, l'anophèle femelle. Il existe évidemment une transmission sanguine, surtout en zone endémique, de sujet malade à sujet sain. Voilà, vous avez les images des anophèles. Cette parasitose est évidemment plus fréquente en zone tropicale, les pays d'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Il existe quelques foyers en Algérie de plasmodium vivax. Initialement, il y avait du plasmodium falciparum au Maghreb, mais du fait donc de la lutte antipaludique qui a été engagée depuis l'indépendance, nous n'avons plus de plasmodium falciparum. Donc chez nous, le paludisme est une maladie d'importation. Il faut toujours, devant un cas suspect de palu, demander la notion de voyage à l'étranger. Alors vous avez ici la répartition des zones de résistance du plasmodium falciparum. Le plasmodium falciparum, c'est le plasmodium qui donne la maladie qui tue. Hein? Il y a 5 espèces de plasmodium. Plasmodium falciparum, c'est l'espèce qui tue. Plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium malariae. Et récemment, il a été découvert une dernière espèce, plasmodium knolwisi. Bon, ça, c'est pas important. Alors, vous avez la répartition des derniers foyers de paludisme dans le sud algérien. C'est surtout du plasmodium vivax, d'accord? C'est les wilayas où il y a les derniers foyers de paludisme. Alors, les 5 espèces, comme je vous les ai énumérées, plasmodium falciparum, ovale, malariae, vivax et knolwisi. Alors, il faut savoir qu'aucune espèce, aucun progrès thérapeutique n'a été accompli. Mais peu avant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont mis en découvert le premier paludéen de synthèse et préparé la voie à toute une série de dérivés. Le premier paludéen de synthèse élaboré par les Américains, c'est les aminocatechinoléines, c'est la chloroquine, c'est la fameuse chloroquine dont on parle maintenant pour le coronavirus. Donc depuis 1940, et les Américains donc ont cherché un antipaludéen de synthèse parce qu'ils étaient en guerre contre le Japon et en Asie, donc l'Asie du Sud-Est, là où le Japon avait attaqué un certain nombre de pays, le paludisme à plasmodium falciparum sévissait. En 1965, on a découvert des souches de plasmodium falciparum résistantes aux aminocatechinoléines. Donc en 1965,
on a découvert des souches de Plasmodium falciparum résistantes à la chloroquine. Alors, le cycle parasitaire de la maladie, il est double. Il y a d'abord un cycle exo-érythrocytaire. Le cycle exo-érythrocytaire, c'est le cycle qui va se passer dans le foie. On aurait dû l'appeler cycle intrahépatique. Bon, ils l'ont appelé cycle exo-érythrocytaire. Ça veut dire en dehors du globule rouge. L'anophèle femelle va piquer l'individu et par la piqûre, elle va injecter des sporozoïdes. Ces sporozoïdes vont gagner rapidement le sang et passer au niveau du foie. Au niveau du foie, donc de l'homme, de l'être humain piqué, il y a ce qu'on appelle formation de corps bleus. Ces corps bleus sont formés de plusieurs centaines de mérozoïtes. Donc, au niveau du foie, il y a un cycle de maturation du parasite injecté qui, de sporozoïte, va devenir mérozoïte. Alors, le cycle endo-érythrocytaire, c'est-à-dire intra-globule rouge. Le corps bleu, originaire du foie, va éclater et libérer des mérozoïtes dans le sang. Chaque mérozoïte va coloniser un globule rouge et donner la forme parasitaire intra-érythrocytaire. Ce globule rouge parasité va évoluer dans le temps pour aboutir à la formation d'un corps en rosace. C'est le corps en rosace, quand il va éclater, qui va donner l'accès palustre. Pourquoi? Parce que quand le corps en rosace, c'est-à-dire le globule rouge parasité arrivé à maturation, ce globule rouge arrivé à maturation va éclater et libérer un pigment pyrétogène. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une anémie hémolytique, puisqu'il va y avoir une lyse des globules rouges parasités. Et chaque fois que le corps en rosace éclate, du fait donc de la présence du pigment pyrétogène, on va avoir un pic fébrile, donnant une fièvre typique. C'est la fièvre palustre. C'est la fièvre, donc c'est l'accès palustre. On parle de fièvre tierce. Qu'est-ce que c'est la fièvre tierce? C'est une fièvre. On a un pic fébrile à J1, J2 apyrexie et J3 pic fébrile. Donc fièvre tierce, c'est une fièvre dont les deux pics sont séparés par un jour d'apyrexie. Fièvre quarte, c'est une fièvre dont les pics fébriles sont séparés par un intervalle de 2 journées apyrétiques. Toutes les espèces du paludisme donnent une fièvre tierce, sauf Plasmodium malariae. Bon, je passe sur ce schéma, puisque ce que je vous ai dit est tout à fait explicatif. Alors, la notion de reviviscence schizogonique, qu'est-ce que c'est cette notion de reviviscence schizogonique? Le réservoir de parasites, c'est le foie. Pour le Plasmodium falciparum, il n'y a pas de phase de reviviscence schizogonique. Les corps bleus sortent tous du foie, il n'y a pas d'accès de reviviscence. Et d'un moment à l'autre, on peut faire un accès pernicieux. Qu'est-ce que c'est l'accès pernicieux? C'est la forme grave du paludisme à Plasmodium falciparum. Parce que le Plasmodium falciparum peut donner un accès simple, mais cet accès simple peut passer à la perniciosité. Ça veut dire que cet accès simple peut s'aggraver et donner un accès pernicieux. Et tous les décès qui ont été signalés dans le monde sont dus à l'accès pernicieux. Donc retenez, le falciparum, c'est lui qui tue. Et il tue par l'intermédiaire du schéma accès pernicieux. Cependant, il faut savoir qu'un accès palustre à Plasmodium falciparum peut rester simple. L'essentiel, c'est de le détecter
et de le traiter. Alors, donc, pour le Vivax et l'Ovalé, la reviviscence est de 2 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'un individu qui a été infecté par le paludisme va faire un certain nombre d'accès palustres, puis il va y avoir une guérison apparente. Mais la durée de la reviviscence, c'est-à-dire la durée des 2 ans, il peut avoir un certain nombre de rechutes. Par exemple, je vous donne un exemple précis. Tous les Africains qui viennent de l'Afrique subsaharienne, la majorité sont porteurs de plasmodi, donc de plasmodium. Et donc, ils peuvent faire un accès palustre, ce qui rentre dans le cadre de la rechute de leur paludisme. Pour Plasmodium malariae, la durée de l'infestation est de plusieurs années. Alors, l'accès palustre, nous allons voir l'accès palustre simple. Donc, l'accès palustre simple donne une fièvre tierce pour Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Retenez, fièvre tierce, Plasmodium vivax, ovale et falciparum. Pour Plasmodium malariae, c'est la fièvre quart, c'est-à-dire un accès palustre séparé de 2 jours d'apyrexie. L'accès palustre débute très brutalement par des frissons solennels. Qu'est-ce que c'est ces frissons solennels? C'est des frissons violents qui vont durer d'une demi-heure à 1 heure. Il n'y a dans aucune maladie des frissons qui persistent pendant 1 heure. Alors, ces frissons sont suivis d'une ascension thermique à 39-40 et une vasodilatation périphérique très marquée. Le patient est très rouge. Au bout de 2 à 3 heures, la défervescence thermique est brutale. La température va chuter brutalement. Le malade peut passer de 39 à 36 avec des phases d'hypothermie. À ce moment-là, le malade va avoir des sueurs intenses qui vont tremper le malade et baigner ses draps. Parallèlement, le patient se plaint d'algies diffuses, céphalées, myalgies, nausées, vomissements, troubles digestifs à type de nausées, vomissements. Le tableau ressemble à celui d'une gastro-entérite fébrile. À la suite de cet accès donc palustre, qui est une anémie hémolytique fébrile, cette anémie hémolytique fébrile va s'installer et du fait qu'il y a une hémolyse, il va y avoir une hépatospléno-mégalie. Donc il va y avoir le système réticulo-histiocytaire va rentrer en action. Hein. La rate et le foie vont essayer d'éliminer les pigments et les débris de globules rouges hémolysés. Alors, sur le plan clinique et épidémiologique, un malade qui a un accès palustre, tout de suite, la fièvre, elle est typique, puisque c'est une fièvre tierce. On va tout de suite rechercher la notion de retour, de voyage d'une zone d'endémie. Et on va faire une formule de numération sanguine qui va montrer une anémie hémolytique, hein, qui va montrer une anémie, hein, et une leuconeutropénie. Donc, l'accès palustre est leucopénien. Sur le plan parasitologique, il faut chercher le parasite en cause. C'est très important. Pourquoi on recherche l'espèce en cause? Parce que on peut tomber sur un accès palustre à Plasmodium falciparum qu'il faut traiter en urgence. Sinon, si le diagnostic n'est pas posé, cet accès palustre à Plasmodium falciparum peut évoluer vers un accès pernicieux. Donc, la parasitologie, on va faire un frottis de sang et une goutte épaisse. Le frottis de sang et la goutte épaisse sont lus par un parasitologue ou un technicien en parasitologie, et ils vont déterminer l'espèce en cause.
Le diagnostic est confirmé par la découverte. Le diagnostic est confirmé par la découverte des hématozoaires dans le sang circulant. Dès que le diagnostic est posé, il faut traiter le patient. Donc le traitement est très urgent. Pourquoi? Parce qu'il y a des médicaments antipaludiques et que l'évolution est favorable sous traitement. Alors, en dehors du plasmodium falciparum, hein, en dehors du plasmodium falciparum, si on a affaire à plasmodium vivax, malariae, ovale, la fièvre va disparaître après 2 à 3 accès et même 10 accès. Mais des rechutes peuvent survenir pendant une durée de 2 ans. Qu'est-ce que c'est cette durée de 2 ans? C'est la durée de la reviviscence schizogonique. Donc, sans traitement, il y aura plusieurs rechutes jusqu'à l'acquisition d'une immunité. Et ainsi, la guérison peut durer longtemps. Alors, si le patient est en train de faire un accès palustre simple à Plasmodium falciparum, le traitement est très urgent. Pourquoi? Parce que le risque de passer à l'accès pernicieux est très important. Et si le malade fait un accès pernicieux, 50% des malades vont décéder même avec un traitement correct. Alors, donc nous avons vu l'accès simple. Nous allons voir maintenant la physiopathologie de l'accès pernicieux. L'accès pernicieux se caractérise par un certain nombre de points sur lesquels il faut insister et qui expliquent la gravité du tableau clinique. D'abord, l'anémie. La gravité de l'hémolyse dans l'accès pernicieux est la conséquence directe de la parasitémie élevée. 10 à 40% des hématies parasitées vont être lysées. Donc, si vous avez un patient qui est infecté par Plasmodium falciparum et qui est en train de faire un accès pernicieux, imaginez-vous son état. Qu'est-ce qu'il va devenir si 10 à 40% de ces hématies vont être lysées? Donc, il va avoir une grave anémie, une dette très importante en oxygène, et il va avoir donc des problèmes qu'on va voir par la suite. Autre anomalie, les troubles de la microcirculation. Les hématies parasitées par Plasmodium falciparum vont s'agglutiner dans la lumière vasculaire et elles vont former des microthrombies. Ces microthrombies vont peu à peu obstruer la lumière vasculaire et ralentir la circulation sanguine. Ces microthrombies vont libérer une substance phospholipidique qui va induire un phénomène de CIVD. Dans un temps ultérieur, des substances comme la sérotonine, l'histamine, la quinine vont entraîner une vasodilatation capillaire qui va s'accompagner d'une perméabilité capillaire. Le plasma va quitter les vaisseaux et passer dans le tissu interstitiel. Et donc, ça, c'est un phénomène qui est extrêmement grave. Si vous avez au niveau du cerveau, du plasma qui passe des vaisseaux dans les tissus interstitiels, au niveau du tissu cérébral, on va avoir un œdème cérébral. L'œdème cérébral, le malade va tomber dans le coma. Au niveau donc du tissu pulmonaire, si on a un œdème pulmonaire, on va avoir un OAP. Et donc, c'est des éléments de gravité. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les désordres hydroélectrolytiques. Le malade vomit et a des sueurs profuses. Donc, il va avoir une hyponatrémie. Cette hyponatrémie est causée par la perte de sel. Il y a 2 types d'hyponatrémie. Hyponatrémie causée par les vomissements et les sueurs profuses, par perte de sel,
ou bien hyponatrémie par dilution sous l'effet de l'hormone antidiurétique qui va retenir l'eau. Alors, du fait d'une atteinte rénale, il va y avoir une hyperkaliémie. La clinique de l'accès pernicieux, ça c'est quelque chose de très important parce que de tout le paludisme, il faut savoir reconnaître un accès pernicieux parce que c'est le paludisme qui tue. La clinique de l'accès pernicieux, donc c'est une encéphalopathie fébrile qui résulte d'une intense multiplication du plasmodium falciparum dans les capillaires viscéraux et en particulier intracérébraux. Les anglo-saxons, c'est-à-dire les Américains et les Anglais, appellent l'accès pernicieux, ils l'appellent la malaria cérébrale, cérébrale malariée. Et les Français, l'école francophone, parlent de neuropaludisme. Pourquoi neuro? Parce que le malade va avoir des signes neurologiques au premier plan. Et vous avez vu dans la description de l'accès simple, l'accès palustre simple, il n'y a aucun signe neurologique. Donc si un malade a des signes neurologiques alors qu'on soupçonne un accès palustre, il faut penser à l'accès pernicieux. L'accès pernicieux touche les sujets dépourvus d'immunité. Cette immunité palustre n'est pas définitive. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans un pays, on peut naître et vivre dans un pays où le paludisme est endémique et acquérir une immunité. Si entre-temps, on n'a pas été infecté par Plasmodium falciparum, si on est infecté par Plasmodium falciparum et qu'on n'a pas d'immunité antipalustre, on va faire l'accès pernicieux. Donc l'immunité du paludisme, c'est une immunité acquise, elle n'est pas définitive et elle se perd. Elle se perd lorsqu'on sort de la zone d'endémie. Le début de la maladie est brutal. Il est foudroyant. Il va foudroyer un sujet qui, en quelques heures, va sombrer dans le coma. Le début de l'accès pernicieux peut être progressif. Il peut succéder à un accès simple, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, accès simple à Plasmodium falciparum non diagnostiqué et par conséquent non traité. La forme typique de l'accès pernicieux, c'est un coma fébrile. C'est un coma qui s'accompagne ça peut être une simple obnubilation ou bien à un coma prononcé, stade 1, 2, 3. C'est un coma calme, tranquille, le patient est hypotonique, il est rarement agité. Donc souvenez-vous, le coma de l'accès pernicieux, c'est un coma fébrile hypotonique. Cependant, ce coma peut s'accompagner de convulsions, et les convulsions sont fréquentes. Dans un tiers des cas, il y a des convulsions. Ces convulsions peuvent être inaugurales et elles peuvent être localisées ou généralisées. Localisées, on peut avoir une convulsion d'un membre, on peut convulser d'une main, on peut convulser des yeux, ou bien c'est des convulsions généralisées. Lorsqu'elles sont répétées, ces convulsions généralisées vont donner un état de mal convulsif. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a donc ces troubles du tonus. Généralement, le malade a une hypotonie généralisée. Cependant, sur cette hypotonie généralisée, vont se greffer des épisodes de contracture permanente ou paroxystique qui ressemblent un peu au tétanos. Les paralysies sont rares. Les réflexes ostéotendineux sont souvent abolis. C'est ce qui est un signe de mauvais pronostic. Les autres signes physiques, la splénomégalie, elle manque dans deux tiers des cas. Ça, c'est pas bien. Un malade qui n'a rien et dont la rate n'augmente pas alors qu'il a une maladie infectieuse, c'est un malade qui ne se défend pas. Donc, l'absence de splénomégalie est un signe de mauvais pronostic.
C'est un signe de bon pronostic quand elle apparaît, signe que le malade se défend. L'hépatomégalie est fréquente. Sur le plan biologique de l'accès pernicieux, anémie hémolytique importante, puisqu'on a dit que 40% des hématies pouvaient être hémolysées, ictère à bilirubine non conjuguée, donc on a dans le malade des ictériques et il est pâle, c'est un ictère à bilirubine libre. Le fer sérique est augmenté, les réticulocytes sont augmentés parce qu'on a une anémie régénérative. Le paludisme à plasmodium falciparum va entraîner une anémie hémolytique périphérique et non pas centrale. Et surtout, la particularité bizarre de cette maladie, alors que dans l'accès simple, on a une leucopénie, dans l'accès pernicieux, on a une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. La thrombopénie, cependant, elle est constante. Et d'ailleurs, le malade peut présenter des troubles hémorragiques. L'insuffisance rénale est fréquente. On a la possibilité d'un collapsus et d'anurée. Et souvent, les malades, les patients sont obligés d'avoir un traitement de d'épuration extra-rénale, d'hémodialyse, s'ils font une insuffisance rénale. Donc, comme vous le voyez, c'est un tableau sombre, un tableau très grave avec des troubles hémodynamiques, des troubles d'anémie hémolytique, des troubles de CIVD, de coagulation intravasculaire disséminée et surtout des thrombies intracérébraux. Ce sont ces thrombies intracérébraux qui vont et l'œdème cérébral qui vont emmener le malade à passer dans un coma. Le pronostic est sombre. En l'absence de traitement, 100% des malades meurent. Même avec un traitement correct, seulement 50% des malades survivent. Le traitement de la maladie, je veux dire que le traitement du paludisme n'est pas stéréotypé. Par exemple, nous en Algérie, on n'a pas de plasmodium falciparum, on a du plasmodium vivax. Dans certains pays africains, asiatiques, en Océanie, il y a des zones géographiques. Ces zones géographiques sont identifiées par l'OMS. Ces zones géographiques, ce sont les zones où il y a du plasmodium falciparum. Et ce plasmodium falciparum, sa résistance est testée à la chloroquine. Donc, les zones géographiques sont classées par l'OMS en zone 1, 2, 3 et 4. Les zones 1, il n'y a pas de falciparum, ou bien s'il y a du falciparum, il est sensible à la chloroquine. Zone 2, il y a du falciparum, la chloroquine reste active. En zone 3 et 4, il y a du falciparum et il est chloroquino-résistant. D'accord ? Donc, dans de nombreux pays, hein, dans de nombreuses zones géographiques, la chloroquine ne marche pas. Et c'est normal qu'elle ne marche pas. C'est un médicament antipalustre qui est utilisé depuis 1940. Donc, souvenez-vous que le traitement du paludisme, ce n'est pas un traitement valable dans tous les pays. Le traitement évolue en fonction de la chloroquino-sensibilité ou de la chloroquino-résistance de plasmodium falciparum. Et évidemment, il y a des pays où il n'y a pas de plasmodium falciparum. Chez nous, par exemple, en Algérie, les cas de plasmodium falciparum qu'on reçoit et qu'on traite dans tous les services infectieux d'Algérie, c'est des cas importés. La majorité nous viennent d'Afrique. D'accord ? Mais ce n'est pas une raison pour ne pas connaître la maladie. Alors,
Alors, on va voir d'abord les antipaludéens. Donc, le traitement du paludisme, il y a un traitement prophylactique, comme dans toutes les maladies infectieuses, et il y a un traitement curatif. Je vais vous énumérer les antipaludéens les plus utilisés. La quinine. La quinine, j'ai dit tout à l'heure que la chloroquine a été synthétisée en 1940 par les Américains. Mais la quinine existe depuis très longtemps. Les Espagnols, quand ils ont envahi l'Amérique latine, se sont aperçus que les Indiens d'Amérique latine savaient se traiter contre la fièvre des marais, c'est-à-dire contre le paludisme. Hein? Ils faisaient des infusions de l'écorce d'un arbre qu'on a appelé le quinquina. Hein? Et le quinquina, quand on a analysé et synthétisé le quinquina, on s'est aperçu que c'était de la quinine naturelle. Donc la quinine existe depuis très longtemps. Il y a utilisée par les Indiens d'Amérique du Sud, c'est la quinine naturelle, mais ensuite il y a la quinine synthétique. La quinine est réservée au traitement des formes graves. De tout temps, on a utilisé la quinine en intraveineux, puis le relais en péros pour traiter l'accès pernicieux. Depuis 1911, un nouveau médicament, nouveau pour les Occidentaux, mais c'est un médicament connu des Chinois depuis des centaines d'années. C'est l'artémimycine. L'artémimycine, c'est une plante qui est utilisée par les Chinois depuis des centaines d'années pour traiter donc le paludisme. Et ce n'est qu'en 1900, qu'en 2011 que les Occidentaux utilisent un dérivé de l'artémimycine qui est l'artesunate. Dans l'artesunate, il est préférable à la quinine parce qu'il a une tolérance excellente et une efficacité, je dirais presque de 100%. Alors, deuxième type de médicament, c'est le groupe des aminocarcinoléens. C'est un groupe qui est ancien et qui comprend la chloroquine et la modiaquine. Donc, le groupe des aminocarcinoléens, ce sont des molécules qui sont très utilisées et qui sont utilisées depuis longtemps. La preuve, en 2020, on revient à la chloroquine pour traiter les infections à COVID-19. Autre médicament, le Fansidar, FANFAO. Le Fansidar, c'est une association de deux médicaments, pyrimétamine et sulfadoxine, qui est réservé au traitement de l'accès simple à Plasmodium falciparum résistant à la chloroquine. Retenez bien. Fansidar égale traitement de l'accès simple à Plasmodium falciparum résistant à la chloroquine. Autre association qui est utilisée en traitement curatif, on le verra tout à l'heure, c'est l'artéméter. Là aussi, l'artéméter est un dérivé, comme l'artésunate de cette plante chinoise qui est actuellement utilisée à Madagascar aussi. Association artéméter, lumefantrine, d'un autre médicament, la méphloquine. La méphloquine, c'est un bon médicament qui est utilisé aussi bien en curatif qu'en chimioprophylaxie. La méphloquine, son utilisation est simple. C'est un médicament qu'on prend avant d'aller dans un pays en zone d'endémie, qu'on prend pendant tout le séjour et quand on retourne dans son pays, on continue à la prendre pendant 4 semaines. Autre médicament, l'association atovaquone-proguanil, utilisée en chimioprophylaxie. La doxycycline, comme vous le savez, c'est une cycline, elle est surtout utilisée en chimioprophylaxie. Et enfin, la primaquine, c'est un dérivé des quinoléines, c'est une aminoïde quinoléine
qui est utilisé comme traitement d'appoint pour l'éradication du paludisme chez l'homme malade. La trimakine agit sur les parasites injectés par le moustique qui sont encore au stade de gamétocyte. Chez le moustique, la reproduction des plasmodies est sexuée, tandis que chez l'homme, elle est asexuée. Donc la trimakine tue les gamétocytes de l'anophèle dans le sang du malade. Quelles sont les modalités de traitement? Donc, traitement de l'accès simple, puisqu'on a deux types de maladies, l'accès palustre simple et l'accès pernicieux. Traitement de l'accès palustre simple, le traitement de l'accès palustre simple, qu'il soit à Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax ou ovale, ou malariae ou Cnolwizii, repose sur l'association Artemether. Repose sur l'association Artemether 20 mg, lumefantrine 120 mg, à la dose de 4 comprimés par prise pendant 3 jours. Alors, les horaires des prises, vous avez les horaires. Donc, on va prendre, quand on a un accès simple, Plasmodium vivax, Falciparum, Ovale, Malariae, Cnolwizii, on va prendre de la lumefantrine à la dose de 4 comprimés par prise à l'heure 0, H8, H24, H36, H48, H60. Au total, 24 comprimés pendant 3 jours. Alors, à cette association Artemether-Lumefantrine, on va donner de la trimakine comprimée à 0,25 mg kilo par jour pendant 14 jours. Dans le cas de la trimakine, il faut voir si le malade a un déficit en G6PD, hein, glucose 6-phosphate déshydrogénase. Si le malade n'a pas de déficit en G6PD, on lui donne 0,25 mg par kilo et par jour de trimakine pendant 14 jours. Si le malade a un déficit en G6PD, la posologie de trimakine passe à 0,75 mg kilo jour, toujours pendant 14 jours. Quelles sont les alternatives? Si on n'a pas, par exemple, d'artéméthère et lumefantrine, quelles sont les alternatives? Pour Plasmodium falciparum, il faut utiliser la quinine. La quinine, elle était utilisée dès le début. Alors, la posologie de la quinine, c'est 8 mg kilo toutes les 8 heures per os pendant 7 jours. À la quinine, on associe la trimakine à 0,25 mg kilo jour pendant 14 jours. Si le malade vomit, donc on ne peut pas donner de la quinine per os, il faut donner de la quinine par voie parentérale. La quinine par voie parentérale, c'est quoi? C'est 8 mg kilo toutes les 8 heures. Donc 8 fois 3, 24. Ça fait 24 mg par jour. 24 mg de quinine pour Plasmodium falciparum. Si le malade vomit, hein, et par voie parentérale. Pour Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, l'alternative, c'est la chloroquine. Sauf, si on est parce qu'en zone de chloroquinorésistance, il faut voir si les souches sont sensibles. Donc, en théorie, Plasmodium vivax et ovale, alternative, c'est la chloroquine. Comprimé 100 mg, on donne 10 mg kilo par jour les 2 premiers jours, puis 5 mg kilo le 3e jour associé à la trimakine. Donc, pour Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, le traitement initial, Bekri, cancer.